Cette mallette est pour moi. Oui. Vous pouvez prendre la vôtre là-dessous. Manipulez ça avec précaution. Je dois avouer que j'espérais qu'il viendra en personne à ce rendez-vous. Eh bien, c'est typique de Monsieur Voigt. Il s'attache à ne pas faire lui-même ce que quelqu'un d'autre peut faire pour lui. La fête est-elle à ton goût ? Oui. C'est vraiment incroyable. Comment tu t'appelles ? Joey. Joseph. Mes amis m'appellent Joey. Alors je ferai de même. Moi, c'est Serena. Et donc, vous connaissez ce gars, Voigt ? En vérité, je travaille pour lui. Sans déconner. Sans déconner. Je suis sûre qu'il adorerait faire ta connaissance. Au bout du couloir, dans le hall, il y a une double porte. Dans un quart d'heure. Y a quelqu'un ? Serena ? Magnifique, n'est-ce pas ? Monsieur Voigt, j'ai croisé cette femme, elle voulait que je vienne ici et... Je suis vraiment désolé. Non, ne sois pas désolé. Prends-le si tu veux. Mais réponds à la question. Oh, ouais, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est ? C'est un... C'est un casse-tête. Il est unique au monde. Et il avait été oublié jusqu'à présent. Il est presque terminé. Je t'en prie. Si j'arrive à trouver la solution, alors j'ai le droit à une récompense ?
Moi, j'en aurai une. Je crois que ça y est. J'ai trouvé, on dirait. Qu'est-ce que j'ai? Vous m'avez fait quoi, putain? Je suis un pénitent du Léviathan. Je vous en prie. Accordez-moi cette audience. Accordez-moi cette faveur. J'aurais pas dû dire ça, désolé. Ouais. Non, ça va. Je me suis emballé sur le moment. Ça va, j'ai juste pensé. Oh, putain. Comment ça va? Vous vous préparez à manger? Ouais, Nora a fait des tapas. Ah. Alors, c'est lui? Le fameux gars? Je vous présente Trevor. Ah, je vois que tu leur as déjà parlé de moi. Oui, un tout petit peu. D'accord. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Je te présente mon frère Matt et... c'est son mec, Colin. Salut. Salut. Nora, une coloc. Il y en a largement assez si tu veux rester. Si je veux rester... désolé, mais faut que j'y aille. J'ai des peintures que je dois livrer. Je dois bosser aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. Pas de soucis. Ouais. Mmh. Je prends juste ma veste ici. C'était super. De faire connaissance. Bon app. Salut. Vous nous avez entendu baiser. Ouais. Ouais. T'en fais pas. Vas-y, Matt, dis-le. J'aime pas ce type. Et moi, je pense que t'es impressionné par ce qui t'a tapé dans l'œil. Qui serait prêt à se taper une ancienne addict en pleine cure de désintox, honnêtement? Quoi? Tu m'attaques gratuitement? C'est pas ça, Riley. Tu plaisantes, je suis inquiet pour toi. Imagine qu'il rechute. Comment tu ferais pour gérer à ce moment-là, hein? T'as pensé à ça?
Ça fait des mois que t'as rien pris, peut-être même pas loin d'un an. Ouais. Tu vas quand même pas me priver de tous mes vices, je couche encore avec qui je veux. Vous avez baissé le son de la télé pour pouvoir nous écouter ou je rêve, là? Non. J'y crois pas. Tout le monde s'en fout de ce que je dis. C'est parce que t'es tout le temps sur le dos de tout le monde. Ouais, ben faut bien que quelqu'un s'y colle. On va bientôt être le premier du mois. Et je peux plus payer à ta place. Je suis au courant, et d'ailleurs personne te l'a demandé. J'ai eu aucun pourboire ces derniers temps, et crois-moi, j'ai essayé. Ok. Riley, je t'aime. Je veux que tu t'amuses. Je suis pas là pour te fliquer à chaque décision que tu prends. Tu veux que je puisse m'assumer toute seule, c'est ça? Message reçu, eh ben je verrai plus gars. Il a pas tort. C'est surtout ça le problème. Il a pas tort, il veut mon bien et moi j'ai juste envie de le cogner. Je peux le cogner à ta place si tu veux. On s'en fout. J'ai pas besoin qu'il soit fier de moi ou quoi, ce serait pas mal s'il avait pas honte pour commencer. Oublie ça, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Notre truc à tous les deux, c'est d'être seuls mais ensemble. T'avais quelque chose de mieux à faire? Ouais, chercher du taf par exemple. T'as déjà un taf? Je sais bien, ouais. Je parlais de trouver un meilleur boulot. Je suis trop saoulée de pas avoir une thune. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oublie. Ça plairait pas à ton frère, alors bon. Ah ouais, parce que tu crois que ça lui plairait de me savoir ici? Tant qu'il en sait rien, ça va? D'accord, seulement je vois bien que ça te coûte, ce genre de truc. T'es peut-être pas une petite fille modèle, mais t'aimerais bien l'être. Il y a toujours Matt, perché sur ton épaule, à te dire ce que tu dois faire. Peut-être que tu devras l'écouter. Non? Tu penses pas? Vas-y, crache le morceau. Y a rien à dire. Crache le morceau, Trevor. Arrête! Hey, tu calmes, ça va? Tu vas parler alors? D'accord, d'accord, ça va, ok. Vas-y. D'accord. Tu sais, avec le boulot, ça m'arrive d'aller charger et décharger des entrepôts. Ouais. Et il y a un endroit bien précis qu'on a l'habitude de livrer. C'est à l'écart de tout, et j'ai jamais vu personne sur place. Mais tu peux me croire, ce qui entre et ce qui sort de là, ça vaut des millions. Alors je passe pour voir de temps en temps, et je te le jure, c'est abandonné. Il n'y a rien sur place, à part un dernier conteneur. Tu veux entrer par effraction? Pas la peine, je me souviens du code. Et il y a quoi dans ce conteneur? Aucune idée. Il appartient bien à quelqu'un? J'en sais rien. Peut-être qu'il appartient à un enfoiré de riche qui va s'en mettre plein les poches. Tu peux compter sur eux pour ça. Aide-moi et t'auras ta part. Tu sais quoi? Oublie tout ça, d'accord? Je sais que t'essaies de mettre de l'ordre dans ta vie. J'ai pas envie de t'impliquer dans ce genre de plan. Ferme-la, Trevor. Allez. Le point de non-retour. T'es sûr de vouloir faire ça? Sûr? Oh.
qu'on a par ici. D'accord. T'en penses quoi? Attends, comment ça, j'en pense quoi? Tu connais la combinaison ou pas? Bah... non. Je la connais pas. T'as aucune chance si moi j'y suis pas arrivé. Il suffit de piger le truc. Bien sûr, c'est ça. Tu vois? C'est tout? Fais chier. Je pensais qu'on tomberait sur un tas de fric, pas sur cette merde là. Ça a forcément de la valeur. Ouais, y a intérêt, putain. Si t'en veux pas, moi je la prends. Ouais, ok. Garde-la avec toi, on fait comme ça. Moi je vais essayer de trouver un expert pour savoir combien ça vaut. Et on partagera la thune tous les deux. Ok. Les vagues étaient mortes, le flux et le reflux anéantis. Les vents avaient expiré dans l'atmosphère stagnante et les nuages n'étaient plus. Les ténèbres n'avaient pas besoin de leur aide. Elles étaient l'univers lui-même. Fais chier. Shelley. Percy Shelley. Non. Mary. Byron. Putain. Ce putain de Lord Byron. Ça va, laisse-la tranquille. Hé, je t'interdis de sortir de ce lit, t'as compris? J'y vais. Tu m'as fait peur. T'étais où ce soir? Je m'inquiétais. Dehors. T'as picolé? Mmh. Arrête un peu, t'arrives même pas à retirer tes pompes. On voit rien. Il fait tout noir et je voulais pas vous réveiller, c'est tout. Pose pas de questions si tu sais que je peux pas répondre, Matt. Des médocs? Non. Non, j'ai rien pris. Ok, montre-moi alors. Arrête, putain, je te promets, je suis clean. Hey, je me fais du souci pour toi, Riley. Sors de ma chambre. Riley, je veux pas tout... Je t'aime. Tu parles, tout ce que t'aimes, c'est avoir quelqu'un sous ton aile pour pouvoir jouer au grand seigneur dans cet appart de merde. Ok, je vois ce que t'essaies de faire. Non, tu sais absolument rien de ce que je veux. Tu sais quoi? Ça fait rien. Moi non plus, je t'aime pas. Ouais? T'es ivre morte? Ouais. Et alors, t'es jaloux? Tu flippes? Tu ferais mieux d'aller te coucher. À la première heure, tu te barres d'ici. T'es pas sérieux. Ah, tu crois ça? Alors dis-le. Comme si tu le pensais vraiment. Barre-toi maintenant! Barre-toi maintenant! Là, ça va? T'es contente? Fais ce que tu veux, ça me fait rien du tout! Alors dehors! Tu veux jouer avec moi? Tu vas perdre, Riley! Prends tes affaires et fous le camp de chez moi sur le champ. J'attendais que ça de me tirer!
À plus, Colin. Arrête, rentre. C'est une nuit de merde à passer, c'est tout. Ok? Tu risques de regretter ta décision. Qu'est-ce que tu caches? T'es pas cassé au moins. Cette âme était faite
Viens avec nous. Si ce n'est pas toi... Ramène-nous-en une autre. Non, 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 non! Ouais. On dirait, ouais. Appelle-la. Elle répondra pas. Attends, tu vas où à cette heure-là? Riley ? Riley ? Hey ! Riley ! Non, 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 hey, s'il te plaît, s'il te plaît, réveille-toi, allez, t'as pris quelque chose ? Dis-moi, qu'est-ce que t'as pris, hein ? Riley ! Stop ! Ah ! Riley ! Hey, ça va aller ! Hey ! Ouais, ouais, c'est moi ! Ta main. Hey. Ouais, ça va. Allez, viens. Je te tiens. Je vais te poser. Voilà, c'est bien. Ouais, voilà. Très bien. Ça va? Je vais me rincer la main. Et toi, tu dors pas. Tu dors pas. Qu'est-ce que... T'es où ? Regardez là-haut. Vous avez pris des substances ? Des drogues, autre chose ?
Je m'en souviens pas. Vous avez fait des mélanges avec de l'alcool ? Je m'en souviens pas. Ils ont trouvé quelque chose ? Non. Et toi, t'as des nouvelles ? Non. Alors, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? On devrait peut-être... Y a rien à faire, à part attendre. La police non plus peut rien faire pour l'instant. Ils ont retrouvé des gouttes de sang dans le lavabo. Mais pour eux, c'est pas suffisant. C'est peut-être même pas le sien. C'est le sang de Matt. Qu'est-ce que t'en sais, Riley ? Je t'ai dit qu'il s'était coupé avec ça. Quoi ? Avec ça ? Mais c'est quoi, ce truc-là ? Tu nous en as jamais parlé. Je sais pas. J'étais défoncée, ok ? J'étais pas lucide et je m'attendais pas à ce que Matt soit présent. J'avais une montée avec les cachetons et je voyais des choses. Quel genre de choses ? Je sais pas, j'en sais rien du tout, c'était atroce, j'ai eu la peur de ma vie. Vous vouliez savoir, alors voilà, je vous le dis. D'accord, mais parle-nous de Matt, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est ce que je fais, il m'a secoué pour me réveiller et sa main était pleine de sang, alors il est parti aux toilettes et c'est là qu'il a disparu. Attends, tu dis que c'est là qu'il a disparu ? Mais non. Comment tu le sais ? T'étais défoncé, c'est toi qui l'as dit. Alors qu'est-ce que t'as raté d'autre ? Parce que c'est pas son genre de disparaître sans rien dire. Ouais, je sais comment il est, je le connais. Alors bordel, réfléchir, Riley, je t'en prie. Ah. Je sais, Colin. Je t'avais pourtant dit de rester. Riley. Non, c'est bon, je dois le prendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je deviens folle, putain, qu'est-ce qui m'arrive ? Riley, je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que t'as ? Dis-moi. J'en sais rien. Ok. Combien t'en as pris ? 3. Les mêmes cachets ? Ouais, les mêmes cachets, mais j'avais jamais eu d'alu, ça m'avait jamais fait ça. Je suis redescendue depuis, alors j'aimerais savoir pourquoi je vois encore des trucs. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on parle de tout ça, en fait. Tu te souviens comment t'as fait ? Pour que ça change de forme comme ça ? J'ai rien fait. Il a changé tout seul de forme. Regarde. C'est un casse-tête. Tu vois ? Les pièces, elles bougent. Et quand elles se verrouillent, c'est que t'as complété une partie. Mais là, tu vois, il faut trouver la prochaine combinaison. Tu veux essayer ? C'est mort, non. Ça veut dire que tu me crois ? Évidemment. Je te l'ai déjà dit, je joue pas avec ça. Oui, mais tu me crois vraiment ? Tu sais ce que c'est, t'as une idée d'où ça peut venir ? Non, j'en sais rien. Et tu penses pas qu'on peut en savoir plus sur le propriétaire du conteneur ? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Y a jamais eu personne pour le réclamer. Et l'entrepôt, alors tu sais à qui il appartient ? On doit tirer ça au clair, y a forcément un nom quelque part.
On n'a trouvé qu'une seule Serena Menaker. Je veux juste lui parler. Vous avez de la visite. Serena. Bonjour. On se connaît pas, je m'appelle Riley McHenry, je suis venue avec mon ami Trevor. Et on avait des questions à vous poser, si vous voulez bien. Je suis pas sûre que ce soit le bon moment. Le bon moment? Mes poumons sont en train de pourrir. Je vais mourir ici, entre ces murs. C'est à quel sujet? Un entrepôt. Il va me falloir plus de détails. C'est écrit qu'il est à vous sur les papiers. Vous avez fait venir un objet. Et il y est encore. Je n'ai fait venir aucun objet. Il était enfermé dans ce coffre. Et il n'est pas à moi. Vous pouvez nous dire à qui il est? Je veux savoir pourquoi ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Je vous conseille pas d'avoir affaire à son propriétaire. Roland Voight était un monstre, un sadique. Roland Voight? C'est votre employeur? J'ai remis de l'ordre dans ses biens immobiliers. C'est la dernière chose que j'ai eu à faire pour lui. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Ce que vous voulez connaître est très dangereux. C'est cette chose qui a pris la vie de Voight et qui prendra la vôtre. Ou pire encore. J'en ai ras le cul. Viens, Riley. On se tire. Allez. Riley. Riley. On y va. C'est de ça dont vous parlez. Qui l'a ouverte? Ce n'est pas la configuration initiale. Qui y a touché? C'est mon frère. Et il a disparu sans laisser de traces. Vous les avez vus dans ce cas. Roland aussi voyait ces choses. Tout le monde pensait qu'il était fou. Des anges, voilà comment il les appelait. À croire que les démons ne se reconnaissent pas entre eux. On s'en va maintenant. Tu viens? Donnez-moi de l'eau. Trevor va lui en chercher. Ok, j'y vais. Je reprends la boîte, c'est pour votre bien. Quoi? Eh, posez la boîte, s'il vous plaît, d'accord? Je la verrouille. C'est la seule chose que je puisse faire pour vous. Quoi? Donnez-moi ça tout de suite. Rendez-la-moi, Serena. Non. Serena, non. S'il vous plaît, rendez-la-moi. T'as aucune idée de ce que tu fais. Rendez-la-moi. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller. Je me suis blessée moi-même. C'était quoi ce bordel, hein? Je sais pas. Elle a ce truc était sur la table et elle a décidé de le prendre d'un seul coup. Ok, ça prouve que c'était une mauvaise idée de venir ici, non? Tu délires ou quoi? Elle sait qu'il a disparu. Comment elle aurait pu le savoir, hein? Comment elle l'aurait su? Calme-toi. On va juste... Il faut qu'on parle de tout ça et tout de suite. Ça fait beaucoup à encaisser. On va pas faire une réunion, Trevor. Désolé de vouloir aider, je suis trop con. Thank you.
coupée à la main, c'est profond. Le médecin vient de partir. D'accord. Je vais voir, peut-être qu'elle est toujours là. Elle partait plus tôt. Il y a quelqu'un? Que j'ai fait. Ayez pitié de moi. Que je te montre. J'ai trouvé des trucs tellement flippants sur ce Void. Des histoires de cul dégueulasses, du blanchiment d'argent et... Et il y a 6 ans de ça, le gars disparaît. Personne sait où il est. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'avocate aussi a disparu. Quoi? De quoi tu parles? Comment ça? Lenaker. J'ai appelé pour savoir comment elle allait et c'est là qu'ils m'ont dit qu'elle était introuvable. Elle était à l'infirmerie et l'instant d'après, plus rien. Personne l'a vu sortir de là. Merde. Ouais, tu l'as dit. On doit se débarrasser de ce truc, Riley. Tu piges? Ouais. Tu fais quoi, là? D'abord mon frère, et là, Serena Menaker. Il s'est passé exactement la même chose il y a 6 ans, regarde.
juste avant la disparition de Voight. C'est arrivé à d'autres personnes. Il y avait un gardien, une prostituée et sûrement d'autres personnes que les médias n'ont pas relayées. Ils ont tous fréquenté les lieux où Voight habitait. Et ils ont disparu, tous autant qu'ils sont. Ça recommence, je sais que ce gars a quelque chose à voir dans tout ça. Et cette chose aussi, ça s'ouvre et puis ça te plante avec une lame et ensuite... Il faut qu'on y aille. Dans sa propriété, c'est pas si loin. Tu devrais décrocher. Ouais. Colin, t'as du nouveau ? Non, rien pour l'instant. T'es où, là ? Je suis chez Trevor, là. Ok, et il habite où ? Je vais venir te chercher. Non, non, ça va aller, j'ai plein de choses à faire. On a tous plein de choses à faire. D'accord. Mais ce serait bien qu'on fasse tout ça ensemble, parce que je suis paumé, là, tu vois. Et je sais que Matt l'aurait fait pour toi, ça me fait chier. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, bah je vais venir te chercher. Trevor, tu vas où, là? Je vais aller balancer ce truc là où je peux, ça vaut mieux pour tout le monde, d'accord? Je vais en avoir besoin pour retrouver Matt, t'as pas compris encore? S'il te plaît, on pourrait au moins en parler. Tu vas en parler? Fous-toi de ma gueule, c'est pour en parler que tu l'as pris? Et moi qui pensais que tu me croyais? Je te crois, d'accord? Évidemment que je te crois, Riley, t'en sors! Je faisais confiance et j'ai eu tort! Thank you.
Y a quelqu'un? Matt? Aide-moi. T'es où? Riley. Matt! Matt! C'est vraiment toi? Tu voudrais que ce soit moi? Je suis tellement désolée. Ramène-moi avec toi. Riley, c'est moi. C'est Colin, c'est moi. Quoi? Je comprends pas. Ça va, Riley. Quoi? On est là. Qu'est-ce qui se passe, putain? J'ai contacté Trevor et on est venu te chercher. Vous êtes entrés comment? La porte était ouverte, on t'a entendu crier. T'avais l'air d'avoir besoin d'aide. De l'aide? Pourquoi? Je vous assure que j'ai pas besoin d'aide. On est venu pour te raccompagner. Non, j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. J'ai de bonnes raisons d'être ici, vous ne me ferez pas changer d'avis. Est-ce que je peux lui parler deux secondes? Sérieusement? Riley, fais ce qu'il dit.
Quoi ? Fais-moi confiance, s'il te plaît, mec. On monte à l'étage. En tout cas, je suis rassurée que t'es rien. Allez. Riley. Allez, viens. Il y a des gens qui vivent ici, au moins ? C'est quoi, ce plan ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fout là ? On doit se tirer, alors on va choper Riley et on va foutre le camp, d'accord ? Hé, hey, fais attention. C'est pas la première fois qu'on doit lui courir après. Laisse-la respirer. La laisser respirer, ouais. D'accord. Tant qu'à faire, autant voir ce qu'ils ont laissé sur place. Ça doit être là. Bingo! Voilà. Qu'est-ce que vous prenez, madame? On évite de boire quand il y a Riley. C'est vrai, oui. Ok, je reviens. Je vais voir s'il n'y a pas des toilettes là-bas. D'accord. C'est quoi, cet endroit ? J'en sais rien. Le donjon de la Bèze. Et pourquoi t'es venu ici spécifiquement ? Là, sur le carnet de Voight, il y a écrit que le casse-tête a 6 côtés, 6 configurations, et il en reste 3. Il est dit que celui qui possède la configuration finale a un droit de passage vers un autre monde, pour rencontrer Dieu. Riley, depuis quand tu crois en Dieu ? Je veux comprendre ce que ce Dieu peut faire, peu importe qui c'est. Il laisse la possibilité à la personne qui détient la boîte dans sa configuration finale de réaliser son plus grand désir. La vie, la connaissance, l'amour, la sensation, le pouvoir, la résurrection. Tu vois où je veux en venir ? Non, je vois pas. Ces trucs, c'est... Pense à Matt. Et si ça pouvait le ramener ? Ok, ça suffit, Riley. Arrête avec ce machin, referme ça, non, on y va. Colin ? Oh putain ! Merde, putain ! Trevor ! Trevor ! Nora ? Putain, tu viens de me foutre la peur de ma ville ! Pourquoi t'as fermé la porte ? Bah, j'ai rien fait, tu m'as appelé, non ? Comment t'as fait pour te retrouver là-dedans ? Ouvre-moi ! Il y a un panneau électrique derrière le bar. Et c'est un des disjoncteurs. Ok, ok. Reste là. Je vais essayer. D'accord, je ok, sais, mais ça j'y fait étais, beaucoup j'étais dans à encaisser. L'air de Riley, jeu, je suis au courant, que ça lui a je sais, j'ai compris. D'accord. Et c'est pas toi que je remets en cause, ce que je remets en cause, c'est ce machin-là. Il faut... La boîte, il faut la faire changer de forme. Ça passe par un sacrifice, quelqu'un doit avoir la marque. Et ils viennent pour t'enlever ensuite. C'est comme ça que t'obtiens ta récompense. Tiens, regarde. Où elle est passée ? Où est la boîte ? Je la trouve plus !
Tu trouves, Trevor? Ouais, mais... le disjoncteur, c'est lequel? Active-les tous, on verra. Ok, 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 ok. Toujours rien ? T'as trouvé ça ? Putain, c'est quoi ce truc-là? Tu peux pas rester avec ça, je dois tomber. Il y a une lame dedans. Oh putain, merde. Attends, je vais essayer de stopper l'hémorragie. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? J'en sais rien, moi, on était dans la pièce à côté. Aide-moi, aidez-moi à la relever. Putain. Il y avait un homme dans les murs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, elle délire, on dirait. On doit y aller. On doit surtout appeler une ambulance. Il faut qu'on y aille maintenant. On sait pas ce que c'est. On va l'emmener. Elle est en danger. Essayez de la soulever. Allez-y. Tu la tiens? Putain. Vite. Ouais, on tire vite, vite. Vous allez monter derrière. Allez, venez. Venez, allez. Laisse la tête. Nora. T'inquiète pas, ça va aller. J'entends des cloches. Quoi? Allez, on y va, allez. Elle dit quoi? Je la tiens, bonjour. Allez, on y va. Ils arrivent. Riley, tu montes avec nous ou tu nous suis? Je viens, on se tire d'ici. Non, je suis là. Ok, ok, ok. Vite, allez, 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 allez. Riley.
Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour quelle raison pries-tu? Pour quelle raison pries-tu? Pour mon salut. Que penses-tu ressentir alors? Une note joyeuse, immuable, éternelle. Penses-tu au paradis? Il n'y a pas de musique dans tout ça. Si on pousse plus loin le corps humain, il y a tellement plus à ressentir. Nous te ferons tout ressentir avant d'en avoir terminé avec toi. On aurait dû s'en débarrasser. T'avais raison, j'aurais pas dû. Vous avez rien à faire ici, vous devriez pas être là. On a décidé de venir. Mais vous êtes venu pour me ramener, c'est de ma faute. On n'a pas le temps pour ça, ok? On n'a pas le temps. Je suis vraiment désolé, mais on n'a pas le temps, ok? Il faut qu'on appelle les flics. On a besoin d'eux pour les recherches. Non. Peut-être qu'ils la trouveront, on sait pas. Tu sais très bien qu'ils vont jamais la retrouver. Alors ils la trouveront pas. Mais moi, en tout cas, je veux pas rester là dehors, c'est compris? Je vous propose qu'on retourne dans la maison. Dans la maison? Mais t'es taré! La voiture de Riley est restée là-bas, voilà. On sait pas ce qui peut nous arriver là-bas, Trevor. Je sais, je suis au courant. On doit prendre une décision, là, tu vois. Quand on y sera, alors ok. On pourra parler de ce qu'on fera ensuite ou on désignera des responsables, si ça te plaît. Ta façon de prendre les gens de haut, ça commence à bien me casser les couilles. Personne de haut, j'essaie de voir comment mieux ça. Tu crois que je vais y retourner en plus? Seul au souffrance que tu as toi-même forgée. Bien des plaisirs t'attendent. Nous souhaitons te voir poursuivre. Quoi? Je voulais rien de tout ça! En es-tu certaine? Vous êtes quoi? Vous venez d'où? Nous explorons les régions les plus reculées de l'expérience. À la frontière des sensations possibles. Nos offrandes sont sans limite. Je ne veux pas vos offrandes. Si tu les veux. Notre Dieu attend. Tu sais ce qu'il peut t'offrir. La résurrection. Nous nous sommes délectés de la mort de ton frère. Quoi? Cela pourrait-il te réconforter de le revoir? Deux de plus et il sera à toi. Sustente-le. Leur sang, leur souffrance,
déverrouille la prochaine configuration. Et puis la dernière. Non. J'en ai fait assez. Assez est un mythe. Ah Nous ne serons pas reniés. Ton sang est sur nos mains à présent, à notre disposition, quand bon nous semblera. Mais la boîte, je compte la laisser. Si ce n'est pas toi, alors quelqu'un d'autre. Fais ton choix. Deux de plus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'y suis pour rien. C'était pas moi, j'ai rien fait. Ok, ça va aller. On avance, on continue à pied. D'accord. Riley. Hey. Ça va? Comment tu te sens? Regarde-moi. Livrer à eux. Comment ça? C'est quoi ça, putain? Viens, allez, viens! Reste pas là, qu'est-ce que tu fous? Viens! Suis-moi, Riley! Viens vite! Colline, reste pas là! Colline, relève-toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, plus vite! Colline, debout! Je crois qu'ils vont revenir. On fait quoi? Riley! Merde! Qu'est-ce qu'on va faire? On avance! Allez, vite! Allez! Merde! Allez, lève-toi! Debout! Bouge! Je pense qu'il va bientôt être en état de choc. Hey, Riley, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on a fait, putain? Qu'est-ce qu'on a fait?
Merde alors. Comment t'as fait? T'as touché à quoi? J'ai activé le disjoncteur. Comment? Oh putain. Il faut qu'on arrête le saignement. Ou qu'on calme un peu. Ok, Riley, viens, donne-moi ta ceinture. Quoi? Ta ceinture, putain. Dépêche. Vas-y. Tiens. Un, deux, trois. C'est bien. J'ai pas de soucis. Ça va. Allez. Tu peux l'allonger ici. Ok. Vas-y, prends ses jambes. Là, ça va. Non, non, non. Il faudrait qu'on trouve de quoi nettoyer son bras. Putain, il y a plein de sang. Elles sont fortes. Tu devrais les garder au cas où il en aurait besoin. Et pour ta main, je vais trouver de quoi la soigner aussi. D'accord. J'y vais. Merci. Ils sont là, ils bougent pas. C'est le cadran métal tout autour. Enfin, je crois, il entoure toute la maison. Ça les repousse. Et combien de temps ça va les repousser? Trevor tiendra pas longtemps. On va faire quoi? Il faut que tu t'en ailles. Tu prends Trevor, vous tirez... T'en ailles, mais où? De quoi tu parles? Ils ont récupéré de mon sang, tu comprends ou pas? C'est moi qui veulent. Arrête. Et je les laisserai pas vous prendre à ma place. Je refuse que l'un de vous meure. Et moi, c'est pareil. Parler du fait que je le sens vraiment pas de me frotter à ces trucs. T'as une autre idée? Dégénéré, je sais. Et ça aurait dû se passer autrement, mais écoutez. Tout ce que tu avais à faire, c'était de nourrir la boîte et de me la rapporter. C'est ce que j'ai fait. Monsieur Voigt, j'ai réussi. D'accord, je l'ai... Elle a été marquée, elle a la marque. Elle s'est enfuie avec la boîte tout à l'heure. C'était prévu pour qu'elle soit ciblée, d'accord? Il te pleutre. Il aurait mieux fallu que tu l'ouvres toi-même pour t'en assurer. D'accord, mais ça fait rien, peu importe, c'est pas grave, d'accord? Elle a été plus rapide que moi, voilà. Ça change quoi? Elle l'a nourrie elle-même et elle l'a ramenée ici. Non. Les choses ont évolué, d'accord, c'est vrai, mais je vais m'en charger. On y est presque, plus qu'une configuration. Vous y êtes presque. Presque pour le film.
fuir. Tout ça va se résoudre tout seul, soyez patient. Que je sois patient, chaque seconde me semble infinie. Fais ce qu'il faut pour mon essor. Fonctionner sur un, ça doit pouvoir fonctionner sur les autres. Attends, tu veux en faire entrer un ici? Oui, je sais, juste un seul, ça suffit. On l'attire et on ferme la porte derrière. Et je le plante avec ça. T'es réveillé? Qu'est-ce que vous faites? Riley a un plan. Tu peux bouger? Faire, tu changeras pas d'avis. Non, tu me feras pas changer d'avis. Même si je le voulais. Je suis sûr que ce soit une bonne idée. Allez, j'y vais. Allez. Prenez-moi! Prenez-moi comme vous les avez pris! Comme vous avez pris mon frère! Les prendre. Nous les avons libérés. Libère-toi à ton tour. Colin!
Tu vas bien? Il se passe quoi là? Je vais bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bloqué, je crois. Vas-y, achève ce truc. Je peux pas. J'ai plus la boîte, je l'ai fait tomber. Ok, laisse-moi entrer alors. Laisse-moi entrer. Où elle est? Elle est sur ta gauche par terre, c'est là que je suis tombée. J'ai foncé dans la barrière. Ok. S'il te plaît, dépêche. Je la vois pas. Ok. Elle est là, par terre. Je t'assure qu'il y a rien. Elle est forcément là, je l'ai lâchée à cet endroit. Je te dis que je vois rien. Mais comment ça, tu vois rien? Tu dis que tu l'as fait tomber, mais je vois rien nulle part. Oh, putain. Colin! Oh. Non! Oh putain, merde! Non! Vous aviez pas à faire ça, putain! La lame les aurait pris! Peu importe. Les Cénobites viendront comme je l'ai envisagé et pas autrement. C'est lui! C'est Roland Voigt. Trevor, c'est lui. En chair et en os. Sauf cette chose. Mais ça, il le savait déjà, n'est-ce pas, Trevor? Tu le savais? Tu le savais? Tu le savais, tu m'as mis cette chose dans les mains, mais tu le savais! Pourquoi tu m'as fait ça? Comment t'as pu me faire ça? Je suis désolé. C'est pas vrai. Comment t'as pu me faire ça? Il a fait le travail pour lequel je l'ai payé. Et il va poursuivre ce travail. Parce que c'est le meilleur marché qu'on lui ait fait dans sa misérable vie. Qu'est-ce que c'est? Il se passe quoi, putain? Mais c'est pas évident. J'ai réclamé ma récompense. J'ai fait l'expérience de toutes choses, tout ce qui a été permis aux hommes d'essayer. Mais j'en voulais plus. J'ai choisi Liminaire. J'ai choisi la sensation. Mais les Cénobites ont des goûts que je ne me représentais pas. Ils ont joué avec mes nerfs. Ils m'ont tourmenté. Ils activaient cet objet de torture aléatoirement, en veillant à ne pas trop en faire. À calculer l'intensité de la douleur pour ne pas que je m'évanouisse. Je ne sais pas quelles promesses ils t'ont faites. La connaissance, l'amour. J'ai voulu le plaisir. Mais tout ce qu'ils m'ont donné, ça a été ce supplice. C'est un tour de passe-passe. Tout ça est une farce. Laisse-les entrer. Non, fais pas ça.
Colin! Colin, va-t'en! J'y arrive pas! Lève-toi, il faut que tu tires! J'ai la tête qui tourne! Colin, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi! Je peux pas t'aider là où je suis! Lève-toi! Écoute-moi! Ils sont là dans pas longtemps! Tu dois t'en aller, le portail est ouvert, vite! Vas-y! Attention à lui. Colin. C'est fini, mec, c'est terminé. Rattrape-le. Lève-toi. On a besoin qu'il ne soit pas loin. Cherchez ce que tu veux, sale enfoiré. Je suis encore coincé ici. Et je demande une audience! Pas m'atteindre où je suis. Dites à votre dieu que j'ai ses disciples. Ces prêtres, vous croyez quoi? Que j'ai bâti une forteresse? Putain, j'ai bâti une cage! Et je peux vous dire que vous irez nulle part tant qu'il n'aura pas arrangé les choses. Tu rejettes notre offrande. Je les emmerde, vos offrandes, et je vous emmerde aussi! Alors enlevez-moi ça maintenant! Remarquable, tout ceci, juste pour nous. Non, pas pour vous. C'est pour moi. J'obtiens ce que je veux. Laisse-nous entrer dans ce cas pour nous adresser tes doléances.
Ça semble évident, non? Attends! Allez-y, reprenez ça. Je vous dis de le reprendre, j'en veux plus. Cette chose, je n'en veux plus maintenant. Je vous en prie, laissez-moi mourir, s'il vous plaît. Laissez-moi mourir. Aucun retour en arrière pour celui qui a déjà franchi certaines portes. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est chercher des portes plus grandes que celle-ci. J'ai jamais voulu que ce soit lui, pitié. C'est pourtant lui qui a été choisi. Marqué. Une offrande ne peut pas être rétrocédée. La seule possibilité est un échange. Vous avez dit que la boîte était pour moi. Si c'est pas moi, alors quelqu'un d'autre, c'est ça, non? Dans ce cas, pas lui. Qu'est-ce que tu fais, Riley? Peut-être que tu en préférerais un autre. Ce que vous voudrez, ce sera toujours mieux que ça. Nous nous sommes peut-être mépris à ton sujet. Tu n'as jamais cherché à obtenir la sensation. Toute ta vie, toutes tes conquêtes, tous tes plaisirs se trouvent dans le pouvoir. Le pouvoir. Pour tous tes efforts, nous t'offrons la configuration du Léviathan. Riley, attends. J'ai essayé de t'en empêcher. Tu te souviens? Ouais. Alors pose ce putain de truc à terre. Pose ce truc par terre, putain, ok? Donne-moi ça! Thank you.
souveraineté de l'angoisse. Et maintenant, tu vas expérimenter ce pouvoir. Non. Ça va aller. Ça va. Qu'on en finisse. Lamentatrice, lucide, laudatrice, liminaire, Lazare, Léviathan. Que pouvons-nous t'offrir? Riley. Riley, regarde-moi. Prends ma main. Ramène-moi chez nous. Vos récompenses. Je sais que mon frère n'est plus là. Je ne veux rien de votre part. Rien. Alors tu as fait ton choix. Une vie faite de regrets. Sachant tout ce que tu as fait. Toutes les personnes que tu as blessées. Que tu as perdues. Ta souffrance vient à peine de commencer. Tu as choisi de vivre, de porter ce poids, cette amertume, cet éclair de vie. Ton choix s'est porté sur la configuration lamentatrice.
passé là-dedans. J'ai dû faire un choix. Et c'était le bon ?